Sylvie Tellier se prépare à une nouvelle vie loin des concours de beauté. Quelques semaines après ses adieux, elle revient sur cette décision et avoue avoir un regret vis-à-vis d'une ancienne Miss France. Le 17 décembre dernier, Sylvie Tellier faisait ses adieux au concours Miss France. Après 15 ans de bons et loyaux services, l'ancienne Miss France décidait de céder sa place au sein du comité Miss France pour tenter d'autres aventures. Vous m'avez permis d'être une fille, une femme, une mère accomplie et, qui sait, peut-être que je serai un jour à votre place pour encourager ma fille Margot dans cette magnifique aventure Miss France, a déclaré en larmes Sylvie Tellier sur TF1. Plusieurs semaines sont passées et si est aux côtés de sa famille, au ski, que la femme d'affaires compte se ressourcer, avant de lancer sa propre entreprise. Sylvie Tellier regrette-t-elle son départ du comité Miss France? Sur mon départ, si est sans regret, vraiment. Pour le reste, j'en ai quelques-uns. J'ai certainement commis des erreurs de management. On fait toutes quand on est débutante, peut-être froisser des gens. Si est-il ainsi, je n'ai toujours fait qu'à ma tête, a assuré Sylvie Tellier, qui souhaite désormais mettre en avant le savoir-faire et le luxe français avec son entreprise. Une seule chose me peine, qu'on parle davantage de mon départ que de celui de Diane Ler qui vient de rendre sa couronne. On lui a un peu volé son moment, mais je trouverai le moyen, un jour, de mettre cette fille formidable à l'honneur, a avoué Sylvie Tellier. Je me sens libérée. Si est Diane Ler, Miss France 2022 qui a déposé la couronne sur la tête d'Indira Ampio, Miss France 2023. Un passage obligé pour la Miss qui retrouve son ancienne vie, ou presque. Au cours de son année de règne, Diane Ler a su préparer la suite. La jeune femme n'a pas seulement parcouru les régions de France, elle a aussi obtenu un poste de chroniqueuse sur Europe 2. Un bon moyen de continuer d'avoir une vie active après la remise de sa couronne. De son côté, Sylvie Tellier est ravie de pouvoir profiter à temps plein de sa famille et ne plus louper aucun événement. Je me sens libérée. Je ne m'attendais pas à autant de messages d'amour, s'est confiée la nouvelle femme d'affaires, qui est prête à commencer sa nouvelle aventure. À lire aussi ils m'en veulent encore, encore surprise d'avoir été élue Miss France, Sylvie Tellier assure qu'elle a demandé à ses proches de ne pas venir à la cérémonie.